Salut à tous les amis, on est 100 000 sur cette chaîne, hein, ça y est, on est prêt, l'armée de JSPC est prête à se mettre. C'est-à-dire que même les vidéos bonus, tu les pourris avec des idées à la con. C'est le principe, tu vas pas me lâcher, d'accord. Bon, lui, il va pas me lâcher, vous allez pas me lâcher, je l'espère non plus, parce qu'on a plein de choses à construire, et ça fait quelques temps, d'où parfois des grosses absences dans la sortie des vidéos, que j'étais en train de penser à pas mal de projets, et ils vont sortir dès cette semaine, et je dois impérativement vous en parler ce soir, avant qu'on se retrouve demain pour un épisode. Alors, demain, il y aura un épisode, dimanche, il y aura un épisode, hein, ça c'est acté, je sais juste pas si l'épisode de dimanche, qui s'appelle « Johnny est parti, Macron en Algérie » sera un « Vive la France » ou un « Je suis pas content », à l'heure où je vais le tourner maintenant. L'épisode de demain, c'est un « Je suis pas content », et il s'appelle Black Friday, Brigitte le Panda et Bilderberg. Tout un programme. Mais cette semaine, je vais expérimenter trois nouveaux formats que j'aimerais intégrer aux productions que je fais. Le but, c'est que vous les regardiez au milieu des « Je suis pas content ». Il y aura lundi, mercredi et vendredi un épisode de « Je suis pas content », susceptible parfois de devenir un épisode de « Vive la France » en cas d'inspiration ou autre, mais ça reste la même chose dans le fond. Et c'est ça que je veux poser comme base à la fois. Je fais 3 vidéos par semaine tout le temps sur cette chaîne à peu près maintenant, sauf quand je suis pas là, mais quand je m'y mets, c'est en général 3. En général, elles sont à la suite. C'est pas vraiment une bonne idée. Je pense qu'il vaut mieux les espacer d'une journée et se poser le lundi, le mercredi et le vendredi. Ça me paraît relativement pas mal. Et je voulais profiter du coup cette semaine de ce mardi, de ce jeudi et de ce samedi pour vous proposer le premier épisode de 3 nouveaux formats. Et dimanche, je récolterai vos avis, soit en vidéo, soit en live, soit par le biais d'un sondage ou autre. Le but étant de vous proposer du nouveau contenu pour pas qu'à un moment ou un autre, je me fasse chier. Parce que ça permette de sortir un peu de « Je suis pas content » de temps en temps et qu'on prenne d'autant plus de plaisir à y retourner. Mardi, il y aura donc le premier épisode de FDP, format d'utilité publique. Voilà le format où je vais présenter des formats, dans un premier temps des chaînes YouTube qui ont genre 2-3 000 abonnés et qui mériteraient d'avoir un zéro de plus. Et quand je vois que vous aimez ce que je fais, je me dis que vous pouvez pas ne pas aimer ce qu'ils font. Alors ce sera pas, je suis pas une chaîne de vidéo, présentation de chaîne, hein. Je vais pas vous faire des vidéos super travaillées de 10 minutes avec des vannes et tout. Non, le principe ça va être de vous vendre du rêve pendant 3 minutes parce que l'important c'est pas de faire une vidéo, c'est la démarche de vous partager ça et que vous y alliez. Essayez de présenter sous l'angle le plus favorable un artiste que j'aime pour que vous puissiez aller le voir et moi je suis en concurrence avec personne et je pense qu'il faut aider des plus petits pour qu'ils deviennent moyens, des plus gros, voilà, et que ça fasse tout un truc. Le deuxième format, ce sera le premier épisode de la saison 2 de Au Bistrot. Inutile de vous ruer sur la première, ça n'aura plus aucun rapport avec ce qu'était la première, si ce n'est la durée. Au Bistrot est un format très court d'environ 1 minute 30 dans lequel c'était une reprise des brefs de comptoir. Le 2, ce sera des entretiens avec des personnalités issues du monde intellectuel, politique, médiatique, ce que tu veux. T'as vu, je les sépare des intellectuels. Comme Christine Angot. Je suis une artiste ou des artistes. Des personnalités controversées ou avec des pensées que j'estime particulièrement intelligentes et que j'ai envie de vous faire partager. Le premier invité, bien sûr, c'était Étienne Chouard. Vous vous en doutez. Vous avez été nombreux à poser des questions. Je lui ai posé ces questions. Ça a donné lieu à des réponses. Et je vais isoler ces questions pour rester dans l'esprit qui était Au Bistrot de vidéos courtes. Parce que je veux que les gens retiennent une idée, une information, une pensée qu'il dit, et que cette pensée, elle circule. Parce que tout le travail d'Étienne, c'est de faire en sorte de disperser des idées fortes dans la société. Et c'est donc important que ces idées soient isolées. Il y a une vidéo sur qu'est-ce qu'être constituant, il y en a une sur ce qu'est la démocratie, il y en a une sur ce qu'est le journalisme, il y en a une sur comment faire une révolution. Et c'est des vidéos qui peuvent aller de 3 minutes 30 à je crois, presque un quart d'heure pour l'une d'entre elles, mais je laisse une question. Il y répond et ça vous permet de vous y retrouver. Si vous aimez, on continuera. Et samedi, il y aura la première des FAQ de l'actu. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « Ah, t'as pas traité ce sujet-là, t'as pas traité ce sujet-là ». Alors parfois, c'est parce que c'est dans un « Je suis pas content » qui arrive dans la semaine. Donc ce sera le mercredi, le lundi ou le vendredi. Mais si c'est quelque chose dont j'avais pas prévu de parler, eh ben, j'en parle. Parce que c'est comme un épisode de « Je suis pas content », sauf que c'est vous qui allez choisir de quoi on va parler plus ou moins, parce que je verrai les commentaires qui sont le plus likés ou autres, il y en a qui seront peut-être des... Je vais privilégier les commentaires sur l'actu, et ça me permettra que vous ayez, en fait, mon point de vue, toujours peut-être un peu plus sérieux, et puis avec de l'ironie, bien sûr, mais pas des vannes, parce que si je n'ai pas pris ces sujets-là, c'est que je n'ai pas senti que c'était nécessaire de faire de vannes dessus. Donc voilà, et ces FAQ de l'actu, ce sera un peu
Tout, voilà, ce sera tout ce que j'ai pas traité. Ce sera dans un format direct, puisque la ligne sera pas une narration, mais des réponses à vos questions. C'est une FAQ, tout simplement, parce que vous avez des questions, vous voulez me poser aussi, des questions auxquelles je veux répondre, et je veux clarifier ma position sur plein de choses. Et en répondant à ces questions, parfois d'actu, parfois pas d'actu, ça permettra de faire un lien. Voilà, ces trois nouveaux formats arrivent en plus de trois épisodes. Ça fait une vidéo par jour du lundi au samedi cette semaine. C'est mon petit cadeau de Noël. Et c'est pas un cadeau de Noël parce que si ça vous plaît, il faut savoir que les prochains avec Chouard, ils sont tous tournés, montés. Et les FDP, les prochains, il y en a trois d'écrits. Et c'est très court à faire. Donc si cette formule de la semaine vous a plu, en fonction de ça, on verra dimanche. Je peux reconduire la même pour la semaine d'après. Et je vais aussi vous diffuser les bonus du télé d'avant. Mais là, je veux avoir votre avis sur ces trois formats-là. Ne ragez pas, ce n'est pas la peine de se désabonner si vous n'aimez pas un de ces formats, vous pouvez aussi ne pas le regarder et vous pouvez aussi vous dire que vous avez qu'à exprimer que vous que quelles sont les critiques, les choses que vous voudriez améliorer, si vous le voulez ou pas, et du coup à la fin de la semaine je saurai où j'en suis tout simplement. Mon but c'est de vous proposer des choses différentes qui me plaisent, qui vous plaisent et qui ont de l'utilité. D'autant que ces trois formats ne sont pas les seules nouvelles choses. Il y en a deux autres au moins que je pourrais vous proposer en alternance, genre la semaine d'après. Vous verrez, il y a plein de choses dans lesquelles j'ai envie d'aller. On enlèvera ce que vous n'aimez pas et on fera une grille des programmes avec comme socle le lundi, mercredi et vendredi, votre je suis pas content ou éventuellement votre vive la France. Et le reste du temps, d'autres choses, parfois plus sérieuses pour expliquer mon point de vue, parfois plus de la déconnade. Donc cette semaine, ces trois formats, vous me direz votre avis. Je vous kiffe, je vous aime. Je retrouverai aussi dans une vidéo cette semaine uniquement les tipeurs. Ce sera une vidéo sur Tipeee parce que là, Noël approche et j'ai vraiment décidé de me donner comme objectif de régler ces contreparties d'ici là. Donc c'est avec mes excuses et un complément parce que c'est un gros truc qui se met en marche. C'est compliqué, c'est pas simple. C'est parti avec trois bouts de ficelle et comme vous pouvez le comprendre, je suis plus dans la productivité que dans la responsabilité et c'est un peu bordélique. Mais vous me mettez le nez dans le réel et je suis obligé maintenant de voir les choses en plus grand. Je voulais les voir en plus grand au niveau artistique, mais aussi de les voir de façon plus solide. Et merci à tous ceux qui me suivent. Je vous dis à très vite, à demain donc pour un Je suis pas content et à après-demain pour on sait pas si Johnny ça part sur un Vive la France. Parce que ça pourrait, tu vois, Vive la France, Johnny Hallyday. Tu vois, là, il y a peut-être l'occasion. Allez, je vous dis à demain, je vous aime. Ciao!